Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va tester un autre laser, le X-Tool D1 Pro 20 watts. Je le sais, je vous avais dit que j'en testerais plus puis que j'étais satisfait avec mon Laser Master 3 de Arthur. Oui, mais que voulez-vous? Ils ont été convaincants. Ils me fournissent ici leur unité, le X-Tool D1, comme je mentionnais, mais la version Pro, avec une diode de 20 watts. Le Arthur 10 watts était sensiblement capable de couper dans du bois mince, mais ici, je devrais être capable de couper dans du bois un peu plus épais. Et je dois avouer que quand on fait de quoi au laser, c'est le fun de brûler, mais si je suis capable de le découper, je pense que je vais être capable d'amener mes projets à un autre niveau. Puis pour être sûr de bien me convaincre, ils m'ont également fourni l'assistance d'air que moi j'ai fabriqué, j'ai ajouté avec une pompe d'aquarium sur les précédents. Mais ici, je vais avoir une vraie pompe fournie par X-Tool. On va se lancer là-dedans. L'emballage est très bien. Écoutez, j'ai l'impression de déballer pratiquement une œuvre d'art avec des petites choses ici. Je déballe le tout, je le monte et ensuite on va se lancer dans mes deux tests classiques pour par la suite faire des projets de Saint-Valentin. Ben oui, ça arrive, c'est proche. Fait que voyons voir comment qu'on peut brûler notre amour. Juste mon opinion sur l'emballage, vraiment bien emballé, pas d'extra pour rien, il n'y a que ça qui est jetable parce que du styrofoam, du styromousse, malheureusement, c'est pas recyclable. Pour le reste, c'est bien. Vraiment, je trouve que pour une fois, c'est un emballage que je pourrais appeler minimum. Parfait. Bien sécuritaire, bien emballé. Fait que maintenant, il reste à monter ça. Il y a une partie du manuel d'instruction qui est en français, en fait, dans plusieurs langues. C'est excellent. Par contre, jusqu'à présent, tout ce que j'ai trouvé au niveau du montage, il a l'air vraiment bien fait. Écoutez, on dirait un catalogue couleur, tout en anglais. Bon, mais beaucoup d'images. Fait que je pense que je devrais être capable de comprendre. Je continue à être flabbergasté par la qualité de présentation d'assemblage. Dans cette petite boîte, écoutez, il y a un petit coffre X-Tool. Je ne sais pas si on voit l'exprès, mais c'est comme la couleur de Festool, cette affaire-là. Et en dedans, c'est les outils et tout ce qu'on a de besoin pour faire le montage. C'est un beau petit coffre, il est cool! Les lunettes, regardez-moi ça. En fait, naturellement, tous les kits de laser, ils nous fournissent tous des lunettes. J'ai ce qu'il faut pour laver les lunettes. Un coffre. Mais wow! C'est vrai que c'est une unité qui se vend cher. Mais là, c'est hot, cette affaire-là. Puis je vais continuer. Ici, dans cette boîte, c'est le bidule pour faire tourner en rond pour graver des bouteilles, des verres, ou n'importe quoi de rond, en fait. Qui est dans une classe à part, écoutez, il y a un mandrin là-dessus. Donc, je vous fais la vidéo sur le laser. Je suis en train de me demander si je vais avoir le temps de tester le mandrin ou si je fais ça séparé et même l'assistance d'air. On verra. Voilà, tout monté. Durée d'expérience environ une heure. C'est assez classique. J'y ai déjà aussi installé l'assistance d'air qui est venue avec. Écoutez, déjà là, je l'adore. Hyper facile à installer sur la 20 watts. Notez que les instructions qui viennent avec sont faites pour d'autres modèles, probablement les 10 ou 5 ou whatever, il faut même changer. Donc ne suivez pas les instructions, ok? À part pour ce qui est de faire le branchement ici sur la pompe. Pour le restant, faites aucune des modifications ou utilisez pas du tout les pièces qui viennent avec, parce qu'avec la 20 watts, c'est standard, c'est déjà inclus dessus. Donc ça c'est fait. Écoutez, au niveau de l'assemblage, vraiment, j'adore le petit coffre. Toutes les petites pièces, les surplus sont maintenant à l'intérieur de ça. J'ai tout ce que je vais pouvoir le garder, le conserver. C'est bien. C'est le fun. J'aime ça être organisé. Je pense que vous le savez. Et j'ai monté, fait un test tantôt avec ma Laser Master 3. J'ai demandé à Marc, de la bisounerie, de me fournir son fichier de test qu'il utilise lorsqu'il teste des lasers. Et il me l'a fourni. Et je l'ai sorti avec le Laser Master 3. Donc, ça va me permettre de faire une petite comparaison
avec celui-ci parce que c'est un des prochains tests que je fais. Avant de me lancer sur ces, de la tester en tant que telle, j'ai des petites informations techniques à vous donner que vous allez probablement trouver intéressantes à propos de ce laser. Donc, allons-y. La pointe pour brûler est de 0.08, probablement des millimètres. J'ai aucune idée si ce chiffre-là est extraordinaire, mais quand je regardais ce qu'il y avait indiqué sur le site Internet, il comparait avec d'autres qui avaient l'air d'être des points laser beaucoup plus gros. Donc, ça a l'air d'être le fun que le laser soit petit. Et de 1, la superficie, contrairement à mon Arthur qui est de 400 par 400, lui ici est de 390 par 430. Ça doit être vrai, mais quand je le regarde, ça a l'air pas mal carré et ça a l'air pas mal pareil. Il est capable d'aller ultra rapidement. Puis une des choses que je me suis rendu compte quand je l'ai configuré, bien, je l'ai un petit peu testé avec Lightburn et également avec l'application qui venait avec. Là, en fait, j'ai installé l'appli et j'ai commencé à regarder. Par défaut, la plupart des métriques de rapidité qu'il donne dessus sont en millimètres secondes. Puis je suis plus habitué à utiliser des millimètres minutes. Donc on fait quoi quand bien, on multiplie par 60. Ou encore, j'ai modifié Lightburn pour travailler en millimètres par minute. Lightburn que je découvre, qui a l'air assez bien, en fait très bien, plusieurs vidéos d'instruction, je ne vous montrerai pas comment utiliser Lightburn, mais je vais le comparer un peu. Je vais utiliser l'application Creative Space qui vient du Xtool parce que ce brûleur laser-là a l'avantage de venir avec une application qui m'a l'air assez puissante et très facile d'utilisation, à ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, pour ce qui est de l'appli, vous n'avez pas besoin de vous ajouter quelque chose de plus. Mais pour les habitués de Lightburn ou Laser GRBL, ben, moi je débarque de Laser GRBL, là, trop basic, je vais utiliser Lightburn qui m'est beaucoup plus puissant. Et la grille de spécification pour brûler ne peut être faite qu'avec Lightburn ou un autre appli qui le permet. Là, Laser GRBL ne permet pas ça. J'ai dû la modifier pour lui ici parce que c'était définitivement trop puissant. J'ai pratiquement mis le feu à mon bois. Non, j'exagère un peu, mais là, je vais vous la refaire, vous la montrer, bien ajustée avec la puissance de celui-là, parce qu'il faut un peu réduire sa puissance dans certaines métriques. Il écrivait tellement foncé que c'était illisible. Donc, je continue. On peut se connecter à ce brûleur laser via câble USB, le Wi-Fi, ou encore, on peut également mettre les applications sur une petite carte micro SD, mais moi, je ne regarde pas ça, là, je ne pourrais pas vous en dire plus que ça. Son fonctionnement est des roues acier sur acier. Ça, c'est une amélioration quand on le compare avec un autre. C'est systématiquement anti-usure. Il y a des switches électroniques qui font en sorte qu'il se rend compte immédiatement s'il est rendu aux extrémités pour ne pas les dépasser, pour empêcher d'aller cogner dans le mur. Il y a une petite patte d'ajustement pour la hauteur. Ça, c'est, Arthur avait ça. Ça, c'est vraiment le fun à utiliser. Ça vaut la peine d'avoir ça. Il y a un détecteur de feu intégré dessus et un détecteur, un gyroscope, qui fait que si on le bouge pendant qu'il travaille, il devrait s'arrêter immédiatement. Il vient... En fait, non, c'est faux. Il y a quatre manières de l'acheter. Vous pouvez l'acheter... il y a différentes puissances. Et quand vous avez choisi votre puissance, vous choisissez si vous voulez les pattes d'extension pour le surélever. Ça vaut la peine. J'utilisais des blocs de bois avant, là, fait que ça va être pratique. Il y a également l'assistance d'air qui serait en surplus. Et le bidule pour tourner en rond, pour graver sur des verres, qui est également un surplus. Ça aussi, je vais vous le montrer. Naturellement, à 20 watts, une des raisons que je vais aller vers là, c'est pour être capable de couper plus facilement du bois, avec une certaine précision que j'ai de la difficulté à faire moi-même à la main. Et ben, je vais le tester. On va regarder aussi jusqu'à quelle épaisseur qu'il est capable d'aller. En théorie, à ce que j'ai vu, ça peut graver sur n'importe quoi. Bois, métal, acrylique, cuir, name it, à peu près n'importe quoi. Puis probablement que c'est capable d'écrire sur ma main. On fera pas le test. Donc, il vient aussi avec un paquet de petits bidules que je peux faire des tests dessus, que ce soit bois, métal ou acrylique ou autre. Donc, on va en tester quelques-uns. Justement, je vais voir comment est-ce qu'il réagit sur tous ces matériaux-là. On va s'amuser, on va faire des petits projets. Et je vous le dis, c'est pas mal tout orienté Saint-Valentin. Il est possible d'y ajouter un kit d'extension qui va pratiquement doubler sa superficie. L'image que j'ai vue, c'est qu'il l'installait par-dessus une planche de surf pour brûler la planche de surf. Excusez, j'ai pas de planche de surf sous la main. On va laisser passer ce test-là, surtout que je n'ai pas le kit d'extension. Hein. C'est également possible d'avoir une boîte par-dessus pour le protéger, emballé, qui va le protéger, qui va capter la fumée probablement. Moi, j'ai un petit ventilateur pour la fumée ici que je vais utiliser pour avoir fait quelques tests. C'est vraiment pas la mer à boire. L'endroit vient plein de fumée. Je suis obligé de ventiler.
Donc, une boîte qui capte tout serait probablement une bonne chose, mais ça implique d'avoir l'espace pour la mettre et la garder tout le temps, ce qui n'est pas mon cas. Écoutez, il est vraiment tout équipé, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je veux vraiment m'amuser et je pense que ça, la prochaine version va probablement être capable de laver mon auto. Premier test que je me lance immédiatement, c'est de graver la grille de puissance et voir un peu comment ce qu'il est. Et ça, c'est quelque chose qui est le fun à avoir parce qu'on peut s'y référer par après pour se dire « Ok, je vais imprimer, je vais faire après ça. Ben, » voici ma source de référence qui va me permettre de mieux ajuster mes paramètres pour les prochains brûlages. Tantôt, en installant l'assistance d'air, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit « Comment ça se fait? Pourquoi qu'il pense pas? Il met toujours ça à part puis c'est pas plutôt accroché après la machine. » Ben, il y a une maudite bonne raison, ça vibre cette affaire-là. Systématiquement, en vibrant, tout vibrerait, le résultat serait pourri. Donc, c'est une des raisons pourquoi c'est à côté. Et j'adore celui-ci, premièrement, extrêmement silencieux, contrairement à l'autre que j'ai. Et il vient avec des petites pattes de caoutchouc pour une suspension qui fait en sorte qu'on l'installe et qu'il va vibrer ici simplement à côté sans rien affecter. Et voilà, j'ai fini mes tests. C'était toute une aventure. Pourquoi? Parce que, honnêtement, sur ce laser, j'ai fait des tests beaucoup plus exhaustifs et je vais vous en parler. Je suis allé beaucoup plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire. Malgré le fait que pour moi, un laser, c'est d'abord et avant tout pour faire mon logo, je pense que là, j'ai vraiment découvert un certain plaisir à faire plus de choses et peut-être des choses que je vais expérimenter un peu plus à l'avenir. Le package vient avec un paquet de petits matériaux, des petites cartes en alu, de la vitre, de quoi faire un étampe, du caoutchouc, du papier pour être capable de coller sur de la vitre, ça peut être pratique. Également un morceau de liège pour faire des sous-verres. Et également une magnifique feuille d'aluminium. J'avais mal regardé les instructions, j'ai tout fait pour être capable d'écrire dessus. Non, zéro open bar. Ça, ils la fournissent pour qu'on la mette en dessous de ce qu'on fait pour protéger notre établi. Un coup que j'ai compris ça, j'ai respiré un peu mieux. Un petit détail, ça m'a permis de comprendre, c'est pas pour rien qu'ils vous fournissent tous ces matériaux-là. En fait, c'est pas juste pour vous permettre d'essayer la machine. C'est simplement qu'ils vendent individuellement ou en paquet tous ces matériaux. Et vous pouvez aller sur leur site et acheter tout ça et vous le faire livrer à la maison. Une chose à se souvenir, c'est lorsqu'on utilise un laser sur du bois, ça dégage la fumée. Ben oui, toi. Il va pas vraiment travailler porte ouverte, on est en ouvert. Donc, j'utilise un petit ventilateur ici qui aspire un peu la fumée qui filtre. Il y a un filtre au charbon. Honnêtement, je devais ramasser 10 ou 20%. En fait, quand j'en faisais pas beaucoup, ça allait. Moi, surtout que je faisais moindrement beaucoup de fumée, j'ai le feeling que ben, ça faisait de quoi, mais c'était bien là. C'est pas assez efficace. Si vous en faites beaucoup, arrangez-vous pour avoir l'emballage pour l'enfermer avec ventilation, ça va aller beaucoup mieux. Et sinon, ben, quand vous travaillez, un masque peut aussi vous aider. Je vais maintenant faire le tour de ce que j'ai réussi à fabriquer avec. Quand même intéressant comme sujet. Donc, j'ai commencé le tout avec ma grille de puissance. Je dis ma grille, mais en fait, c'est celle de Marthe de la bisounerie qui me l'a fournie. C'est un fichier Lightburn qui permet justement de faire des tests de matériel pour voir c'est quoi les différentes puissances, c'est quoi que ça donne comme résultat. Première chose que j'ai fait, et j'ai surtout vu que ben, ça perçait assez facilement du contreplaqué, merisier russe ici, de 5,5 mm. J'ai ensuite gravé une petite breloque avec une petite image dessus pour le plaisir de... Et ben, naturellement, je fais beaucoup de tests, et souvent un endroit et un à l'envers. Hein. Mais bon, ça grave assez bien sur de l'acier inoxydable. Et voilà, ça aussi c'est fait. Je suis allé ensuite sur un morceau de matériel qu'ils m'ont fourni qui a l'air d'être, je crois, de l'aluminium. Il y a différentes couleurs, mais en fait, c'est un papier qu'il y a dessus. Et ce que ça a fait comme résultat, c'est que j'ai comme brûlé le papier, puis tout ce qu'on voit en dessous, ben, c'est l'aluminium. Un peu inutile comme matériel. Mais ça a marché.
Par la suite, j'ai suivi une petite vidéo sur Lightburn que j'ai beaucoup apprécié et qui montre comment faire un morceau de bois ici, un code QR avec le code Wi-Fi de la maison, incluant le mot de passe intégré dedans, et que ben, simplement les téléphones ou autres mobiles des gens qui viennent à la maison peuvent le scanner et s'enregistrer sur le réseau visiteur de la maison. Donc ça, là, j'ai beaucoup apprécié. Et même s'il est pâle un peu, il fonctionne très bien. Je le referai peut-être un petit peu plus foncé, mais je vais l'huiler et on va le garder dans la maison. Ça va être le fun quand on va avoir de la visite. Ensuite, j'ai imprimé une photo, chose d'un test que je fais régulièrement. Brûler une photo, j'ai eu 2-3 tentatives avant d'être pas si pire. Et j'ai après ça identifié les bons paramètres. Et voilà, j'ai fait ma petite photo. Ça fonctionne bien. C'est sûr que c'est pas une photo à haute densité, hein, mais on reconnaît bien qu'est-ce qu'il y a sur le morceau de bois. J'ai exploré de comment faire un sous-verre avec le morceau, justement, de liège qu'ils m'ont fourni. Et ça, là, c'est cool. C'est vraiment le fun. Premièrement, ça fait un bon sous-verre. Mais on peut y mettre ce qu'on veut. Faut pas y aller trop fort, hein, parce que c'est pas un matériel très résistant. Et ça a très bien fonctionné. Je me suis amusé. Ben, c'est à Saint-Valentin qui s'en vient. Hein? Et il faut des petits cœurs, brûler des petits cœurs en bois. Vraiment facile à faire. J'ai également réussi à couper des morceaux de bois de 3 quarts de pouce, 19 mm. Noyer noir, érable et pin. Petit test que vous pouvez voir ici. Une des choses qui est le fun, quand tu fais ton setup et que ça coupe, ou c'est que c'est supposé de couper, quand c'est supposé de couper, ça sauve du temps. Après ça, je me suis exploré un petit peu le logiciel qui vient avec la machine XCS, là, si je ne me trompe pas. Le logiciel de Xtool qu'on peut on dit qu'il vient avec, mais en fait on va le télécharger sur leur site internet là, mais il est fait pour travailler avec des Xtool. J'ai trouvé le logiciel quand même correct, mais je vous en reparle après. La chose la plus fantastique que j'ai vue, c'est qu'il y a plein de projets déjà faits dans ce logiciel et on peut les télécharger et les faire. J'ai fait ici un appui cellulaire. Ça montre que ça découpe bien des petites images, des ajustements. Vraiment, là, ici, dans le 3 mm, un morceau fourni par eux, c'est vraiment le fun. J'ai fait deux. Il y en a un à l'intérieur de la maison pour ma belle-fille. Et c'est simplement embouffeté un dans l'autre. Après ça, je me suis dit, mais quel concept intelligent. Et j'ai décidé d'aller plus loin avec. Et j'en ai fait un autre avec un matériel un peu plus épais. Et le résultat a été vraiment très bien. Par contre, un petit détail, c'est que j'ai complètement oublié d'agrandir la petite craque ici pour venir mettre le morceau, parce qu'il est plus épais. Fait que inutile, fonctionne pas. Fait que ça s'en va là. Mais ça m'a surtout fait réaliser quelque chose d'important sur le logiciel qui venait avec Xtool. Ce logiciel-là, bon, je vous résume le logiciel. OK, je vais prendre mes notes là. Le logiciel. Oui, je l'ai utilisé pour certains tests que j'ai fait ici. Puis je ne vous ferai certainement pas une vidéo sur comment utiliser le logiciel. OK, oubliez ça, il en existe. Il n'en existe pas beaucoup. Et c'est une des raisons pourquoi je ne m'en servirai pas. Il existe beaucoup plus de tutoriels sur Lightburn, qui est très populaire, extrêmement puissant. Plus puissant que le logiciel de Xtool, Creative Space, Xtool Creative XCS. Donc, moi, je n'ai pas l'intention d'aller plus loin que ça. Par contre, les petits projets qui sont à l'intérieur, eux, valent la peine. Si vous trouvez un projet là qui est là, allez-y. Mais j'ai essayé d'agrandir la fameuse petite craque. Je n'ai jamais trouvé comment. J'ai pas été capable. J'ai cherché une couple d'heures. Sérieusement, j'ai passé une soirée complète. Je n'ai pas trouvé. C'est-tu moi le problème? Probablement. Mais j'étais incapable de modifier. Et là, j'ai commencé à regarder d'autres possibilités avec ce logiciel-là. À part des images, je ne peux pas aller rien chercher d'ailleurs. Je ne peux pas promouvoir non plus, partager. Je peux partager ou aller chercher uniquement des fichiers de ce logiciel. Mais il n'est absolument pas ouvert à rien d'autre. Donc, je ne peux pas le passer avec un autre logiciel. Je le trouve assez limité là-dessus. De plus, il est très mal traduit. Au lieu d'afficher « annuler », c'est écrit « effacer ». C'est quand tu veux annuler, retourner en arrière. Il y a très peu de paramètres qu'on peut jouer avec. Et par défaut, il est paramétré en millimètres secondes. Xtool est dans ce mode-là, mais tout ce que j'ai trouvé, et partout quand je regarde des vidéos, on est toujours en millimètres minutes. Donc, j'étais toujours en train de multiplier par 60 pour comparer. Donc, ça, j'ai pas beaucoup aimé ça. C'est trop propriétaire.
il n'est pas ouvert avec le monde. C'est comme ça, je pourrais le dire. Donc, pour moi, c'est limité. Aussi, quand on fait exécuter quelque chose, quand on lance, il faut absolument venir peser sur le bouton pour le faire démarrer. Ça, c'est positif. Parce que de se lever et de venir faire aligner et de le démarrer, ça nous permet de prendre conscience, de se lever et de non pas juste garrocher le travail au lointain, mettons, mais de venir le voir et de prendre conscience qu'on fait la bonne chose. Donc ça, c'est positif. Donc honnêtement, j'utilisais laser GRBL avant, mais laser GRBL, on est obligé de faire le design dans quelque chose et laser GRBL ne fait qu'envoyer à la machine. Je ne l'ai même pas testé. Je suis maintenant sur Lightburn. Je vais m'acheter la version. J'ai utilisé la version gratuite pendant un mois. Là, je vais me le payer ça, en moins de 100 $. Et sérieusement, Lightburn, c'est flabbergastant. Comment qu'il est facile d'utilisation, qu'il est puissant, qu'il fait plein de choses. On n'est même pas obligé d'avoir un logiciel autre pour dessiner ce qu'on veut faire. On peut tout le faire à l'intérieur même de Lightburn. En fait, je suis en train de me demander si je ne pourrais pas utiliser Lightburn pour faire certaines choses puis l'exporter pour m'en servir ailleurs. Ensuite, je me suis lancé dans quelque chose de le fun. J'ai décidé de faire une horloge. Et c'est tellement facile à faire avec Lightburn, sérieusement. Et les possibilités sont extrêmes. J'ai fait quelque chose d'extrêmement simple ici. Je vais mettre un kit à horloge en milieu, puis ça va me faire une petite horloge pour dans le sous-sol. C'est vraiment facile de faire le design. C'est tout lui qui l'a coupé. On peut écrire de différentes manières. Vraiment, des horloges, je pense, en tout cas, je trouve que c'est plus facile de les faire au laser qu'au tour à bois. C'est peu vous dire, hein, j'en ai déjà fait au tour. Plus rapide au laser, on prépare notre bois et ensuite c'est lui qui fait le job. Donc, des horloges, c'est le fun. Par contre, elles sont toutes plates, hein, on n'a pas le choix. Ensuite, j'ai voulu explorer le fait de brûler en couleur sur du métal. J'ai vu des images sur X-Tool comme quoi que c'est possible de faire ça. C'est même dans leur promotion. Par contre, nulle part, ils expliquent comment. Donc, j'ai cherché un peu sur le web, ça a l'air assez compliqué. Et je me suis lancé à un moment donné, j'ai reproduit ma grille en plus petit, sur un morceau d'acier inoxydable. Parce que encore là, ça dépend des métals. Hein. C'est pas toujours le même résultat, ou des fois ça marche pas, l'aluminium. Et en acier inoxydable, tellement puissant que ça l'a croché un peu, que j'ai été obligé de le replacer. Même que j'ai été obligé de travailler un peu pour l'empêcher d'accrocher sur la petite lunette en plastique ici. Bref, j'ai bien réussi. Je suis capable de distinguer les couleurs, et en fait, maintenant dans le bon sens, ça va aider. Et je suis capable de voir après ça quelle couleur, quelle puissance et à quelle vitesse pour aller chercher certaines couleurs. Donc, on pourrait faire certaines images avec Lightburn. C'est facile de dire ici, tu es à 60%, puis là, tu es à 40%, puis changer la vitesse. Donc, ça va, ça se fait, c'est cool. Okay? J'ai-tu des projets à faire avec ça? Non, mais c'est cool. Et la dernière expérience que j'ai faite, qui a été la plus difficile, la plus longue, c'est d'imprimer sur du verre. Et je le faisais en premier, c'est très peu significatif. Bon, je peux pas dire que j'ai scrappé un verre, je pense que j'en ai fait 5 autour. Pour réussir avec ma dernière, qui est beaucoup mieux, quand je l'avais faite avec le Laser Master 3 de Arthur, j'avais cassé ma vitre parce que j'étais allé, je pense, trop puissant. Et là, justement, je faisais attention de ne pas aller trop puissant, mais ça s'aggravait pas. Bref, j'ai réussi à trouver des paramètres qui fonctionnent. Et encore là, je pense que la prochaine fois, j'irai peut-être une coche au-dessus pour faire un peu mieux. Voilà, j'ai réussi. J'ai fait le tour de tous les tests que j'ai faits. Ça vient équipé de différentes manières et dans différentes gammes de prix. Vous pouvez avoir la version 5 watts autour de 600 $. Ça va être sensiblement la même machine, mais moins puissante au niveau des diodes. Il y a également une version 10 et ici la version 20 watts. On peut l'avoir avec les pattes pour le surélever. Ça, c'est le fun quand on utilise le Rotary à l'intérieur. J'ai la pompe pour souffler de l'air pour faciliter le brûlage. Ça aussi, c'est un accessoire supplémentaire. Et justement, le fameux Rotary, comment est-ce qu'on va l'appeler, ce qui fait tourner les verres pendant qu'on travaille dessus. Écoutez, lui, c'est assez dispendieux, on parle de 300 $, mais il vient avec un paquet de bidules des morts. Il y a un mandrin pour faire tenir les choses. Le petit niveau, les petites pattes pour travailler, il se modifie de 2-3 manières. On peut même faire avec les accessoires qui viennent avec des balles ou tout autre objet. C'est vraiment une forme très conique et on vient appuyer un genre de petite ventouse derrière qui fait que ça tourne bien. Je ne l'ai pas expérimenté. Il existe des vidéos sur le web. Ben, vous savez, ça se trouve. Moi, je ne suis pas ici pour tout tester. Mais ce que j'ai testé, ça valait la peine. La seule option que j'ai pas,
C'est la diode NM1064 ou quelque chose comme ça, à infrarouge. Diode qui est capable de couper du métal. Waouh! Mais moi, je travaille le bois. Dans la gamme de prix, comme je disais, ça part à 600 $ et le modèle le plus équipé, comme je l'ai ici, on parle d'environ 1 500 $. Les liens sont dans les commentaires pour l'acheter avec rabais, avec un code rabais qui peut vous aider à payer un peu moins cher en fait. Et ben, c'est ça, vous pouvez l'acheter. J'ai-tu dit que vous pouviez l'acheter? Ah oui, c'est dans les commentaires en bas. Donc, je vous fais ma conclusion en général. Écoutez, faire du laser, c'est ce que j'appelle du PDCA dans mon autre job, Plan, Do, Check, Adjust. Donc, on planifie ce qu'on veut faire, on l'essaye, on le valide, on le vérifie, puis on s'ajuste. Donc, plusieurs choses, j'ai été obligé de me reprendre à plusieurs fois et j'ai appris à prendre des notes pour justement y revenir. Comme ça, la prochaine fois, je vais avoir déjà les métriques nécessaires pour ben, que ça soit plus vite la prochaine fois. Parce que faire du laser, c'est un peu comme en ébénisterie. Faut l'essayer pour l'apprendre. Et je vous suggère même d'avoir des morceaux sacrifices pour faire vos tests. J'ai pour ma CNC des planches de pin de prête parce que je veux tester mon pattern avant de faire sur du vrai bois. Ben ici, faites la même chose. Donc, comme je disais, mon but, c'était vraiment de vous parler de la machine et non vous enseigner toutes ses possibilités. Je viens de vous donner certaines variantes de ce que vous pouvez faire, à vous d'explorer. C'est une machine qui peut vraiment être en accompagnement dans une entreprise qui a besoin de brûler des choses de manière assez régulière. C'est une machine qui est faite pour travailler beaucoup, travailler longtemps. Je ne bâtirais pas mon entreprise autour et dépendre de ce laser-là, mais ce laser peut facilement produire et travailler dans le cadre d'une entreprise bien installée et emballée pour la fumée. Ça devrait aller. C'est également une machine qui peut être très adéquate pour un amateur, un peu comme moi, qui veut travailler d'une manière à l'aise, qui est habitué d'utiliser des outils aussi quand même de qualité, qui ne va pas nécessairement faire de compromis. Ben, honnêtement, on ne fait aucun compromis avec cette machine. On a quelque chose qui est de qualité, qui travaille bien et qui, je pense, est faite pour durer. Je vous ai fait le tour de pas mal la machine, de ses possibilités. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, je vous demande de laisser un pouce en l'air, un commentaire. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est ça qui peut m'aider. Plus j'ai d'abonnés qui s'inscrivent pour recevoir même les notifications, plus ça peut m'aider à continuer avec ma chaîne. Sur ce, merci.